بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا توجور أون بورسوي لا بروميير لوسون لا لوجيك بور لي بروميير أني بكالوريا دون سا بارتي نيميرو 2. دونك أون فا أتاكي دون بيتي 2 فونكسيون بري بوزيسيونيل، إي كيل إي لا ديفيرونس أونتر إين فونكسيون بري بوزيسيونيل إي إين بروبوزيسيون. Donc voilà, de 1, définition, tout énoncé mathématique contenant une variable x dont le sens est vrai pour certaines valeurs de x et faux pour d'autres s'appelle une fonction prépositionnelle, notée souvent par ax ou px. Donc contrairement à une proposition c'est un énoncé mathématique ne contenant aucune variable. Et on peut bien sûr confirmer directement si le sens de la proposition est vrai ou faux. Par contre, pour une fonction prépositionnelle, il contient une variable ou plusieurs variables et on ne sait le sens de cet énoncé mathématique que lorsqu'on remplace la variable ou les variables par des valeurs bien déterminées. Exemple. Donc si on considère l'énoncé mathématique x divise slash, ça représente la notation de la relation divise, donc x divise 4 et x appartient à n. Donc dans cet énoncé mathématique, personne ne peut confirmer si cet énoncé est vrai ou faux. Pourquoi? Parce que dans cet énoncé, il y a une variable x qui varie dans n. Donc cet énoncé mathématique peut être vrai pour certaines valeurs de n bien sûr, et peut être faux pour d'autres valeurs. Donc voilà, donc je vais citer quelques exemples. Si je remplace la variable x par 1, ou bien par x égale à 2, ou par x égale à 4, donc si on, bien sûr, on regarde bien, on constate que 1, 2 et 4 sont des diviseurs de 4. Donc si on remplace x par exemple par 1, ou on remplace x par 2, ou on remplace x par 4, on trouve un énoncé mathématique qui est dans le sens vrai. Autrement dit, on obtient une proposition vraie dans ces trois cas. Mais si on s'éloigne de ces trois cas, c'est-à-dire si on s'éloigne de 1, 2, 4, on donne une valeur autre que 1, 2 et 4, alors on va trouver une proposition fausse. Par exemple, si on remplace x par 3, donc 3 ne divise pas 4, donc j'obtiens P3 qui est 3 divise 4. Une proposition fausse. Donc voilà la différence entre, bien sûr, une fonction prépositionnelle et une proposition. Donc pour une proposition, directement, on peut confirmer est-ce que son sens est vrai ou faux. Par contre, la fonction propositionnelle, donc on ne peut déterminer le sens, bien sûr, de son énoncé mathématique que si on remplace x par des valeurs. Et elle peut être, c'est-à-dire le sens peut être vrai pour certaines valeurs et faux pour certaines valeurs, comme je l'ai bien sûr expliqué à travers ce petit exemple. Donc on va prendre un autre exercice, un autre exemple. Donc prenons la fonction prépositionnelle x carré moins 3x est égal à 0, virgule, x appartient à n. Là aussi, c'est un énoncé mathématique. On ne peut rien confirmer. Personne ne peut dire que cet énoncé mathématique est vrai ou faux. Pourquoi? Parce qu'on dispose d'une variable. Donc, il faut remplacer x par des valeurs précises pour voir est-ce qu'on va obtenir une proposition vraie ou fausse. Donc, pour trouver les valeurs, bien sûr, qui vont nous donner un énoncé mathématique dont le sens est vrai, on doit résoudre cette équation du deuxième degré, puisque c est nul, donc pas la peine d'utiliser le discriminant, il suffit de factoriser, donc ceci est équivalent x fois x moins 3 est égal à 0, donc x est égal à 0 ou x est égal à 3. Remarque, donc ce symbole représente le symbole du mot équivalent, donc on l'a utilisé avant même l'équivalence, tout simplement pour la simplification de l'écriture. Donc les solutions sont x égale à 0 et x égale à 3. Donc si on remplace dans cet énoncé mathématique x par 0 ou par 3, nous obtenons des propositions qui sont vraies. Par contre, si on s'éloigne de 0 à 3, si je donne par exemple x différent de 0, x différent de 3,
Par exemple, x égale 5, donc 5 n'est pas une solution, donc Q5 sera une proposition fausse. Donc, j'espère que vous avez bien sûr compris la différence entre une proposition et une fonction prépositionnelle. Donc, comme résumé, une fonction prépositionnelle contient une variable ou plusieurs, comme on va voir dans l'exercice, contrairement à une proposition qui ne contient aucune variable. Donc, deux, trois, pour bien comprendre cette définition des fonctions prépositionnelles, voici d'autres exercices. Considérons la fonction prépositionnelle. Donc, je vais citer un exemple d'une fonction prépositionnelle à deux variables suivantes. Donc, je l'ai nommée px, y, puisqu'elle contient deux variables, x et y. Donc, 3x plus 2y moins 1 est égal à 0, tel que x, y appartient à L. Déterminer trois couples x, y de R2 pour lesquels on obtient des propositions vraies. Déterminer un couple x, y pour lequel on obtient une proposition, pardon, la fausse. Hein. J'ai oublié, donc s'il vous plaît, vous allez corriger. On obtient une proposition fausse puisqu'on a déjà donné le cas de vrai. Donc voilà la solution. Bien sûr, cette équation, on l'a déjà vue au tronc commun. Donc, s'appelle une équation du premier degré à deux inconnues. Donc, on a bien sûr à l'époque, donc on avait deux solutions, soit exprimer y en fonction de x, soit x exprimer x en fonction de y. J'ai choisi d'exprimer y en fonction de x. Donc, elle est équivalente. 2y moins 1, on fait passer 3x à l'autre côté droit, donc c'est égal à moins 3x. Donc la même chose, on fait passer moins 1 à l'autre côté, donc 2y est égal à 1 moins 3x, donc y est égal à 1 demi moins 3 demi x. Donc voilà les solutions, bien sûr, qui sont en nombre infini, bien sûr, de cette équation du premier degré à deux inconnues. Donc toute solution sera écrite de cette forme, ou bien l'autre forme si on exprime x en fonction de y. Donc, prenons donc pour déduire trois solutions. Donc, on fixe x et on trouve y grâce à la relation étoile. Par exemple, ici, j'ai fixé x est égal à 0. Donc, y, d'après cette relation, est égal à 1 demi. Donc, voilà le premier couple. Donc, je vais prendre le couple x, y est égal à 0, 1 demi. Donc, ce couple, bien sûr, est une solution de cette équation. Par conséquent, donc j'obtiens la proposition Q0 1 demi, P0 1 demi, pardon, qui est une proposition vraie. Je change la valeur de Y. Par exemple, je prends cette fois-ci X égale à 2. Toujours ma référence, c'est la relation étoile. Donc Y est égal à 1 demi moins 3 demi fois 2. Le 2 se simplifie. Et je trouve moins 5 demi. Donc, la proposition, j'obtiens une proposition vraie. P2 moins 5 demi est vrai. Et le troisième exemple, je fixe x par exemple est égal à 1, donc y est égal à moins 1, toujours grâce à la relation étoile. Donc, voilà, je trouve une proposition P1 moins 1 qui est vraie. Pour la deuxième, pour donner un couple dans lequel j'obtiens une proposition fausse, il suffit de donner un couple qui ne vérifie pas la condition étoile. Donc, je prends par exemple x est égal à y est égal à 1. Si on remplace bien sûr dans cette relation y par 1, x est égal à 1, je trouve que 1 est différent du côté droit. Donc, 1, 1, le couple 1, 1 est évidemment n'est pas une solution de l'équation. Donc la proposition P1,1 est une proposition fausse. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, corrigez dans l'exercice, là, au lieu de vrai, fausse. Proposition fausse. Donc, voilà, donc on a bien sûr consacré cette partie numéro 2 à la fonction prépositionnelle pour mettre en évidence la différence qui existe entre une proposition et une fonction prépositionnelle. Donc, soyez au rendez-vous pour la partie numéro 3 pour attaquer, bien sûr, les quantificateurs, quel que soit, il existe au moins, il existe un et un seul, et on va définir en même temps des propositions quantifiées, et bien sûr, comme d'habitude, avec des exercices d'application divers. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين.
اللهم صل وسلم على سيدي الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.